Salut Charlie. Salut Daniel. Regarde, je t'ai préparé un petit déjeuner. Je t'ai même acheté un croissant. Super. J'ai une faim ce matin. J'imagine, hein. Tu veux reprendre le café? Ouais, merci. C'est bon, c'est bon. Du sucre? Non, non, non. Je suis au régime, hein. Je prends que du faux sucre. Ouais, vous voulez? Ah ouais, je sais. J'ai oublié sur le bar. Tu sais, Daniel, hein, quand on fait un régime, il faut le faire sérieusement. Sinon, ça sert à rien. Eh, dis donc, c'était comment? Quoi? Bah avec Adeline. Elle est là-haut, non? Elle dort encore? Mais non, voyons. Comment ça, t'as pas conclu? Écoute, Charlie, Adeline n'est pas le genre de femme qu'on ramène dans son lit le soir après un dîner, quand même. Ça veut dire qu'elle t'a dit non, ça? Je n'ai rien demandé, Charlie. Je n'ai rien demandé? Mais t'es fou, là, ou quoi? Je comprends pas, Daniel. Elle te plaît, cette fille, non? Ça n'a rien à voir, Charlie. Rien à voir, moi, je comprends pas, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, ben, on est allé dîner, et après, on est allé boire un verre dans un club, et puis je l'ai accompagné, voilà, c'est tout. C'est tout? C'est tout, oui. En tout cas, j'ai passé une excellente soirée, merci. Et c'est vraiment tout? C'est vraiment tout. Non, tu m'embouches un coin, Daniel. C'est pas possible. Moi, dans un cas pareil, je laisse pas passer ma chance. Bon, ben, moi, j'ai une autre manière de voir les choses, Charlie. Ouais, écoute, ça doit être anglo-saxon, cette méthode, parce que chez nous, les Latins, en amour, il n'y a pas 36 manières de... Ça, non. C'est bizarre. Quand tu me dis ça, tu me rappelles quelqu'un. Dis, Daniel, tu te sers de ta voiture ce matin? Non, pourquoi? Tu pourrais me la prêter parce que j'ai une course urgente à faire. Oui, bien sûr. Merci, hein. Daniel, aujourd'hui, j'ai décidé de vendre mes bijoux de famille. J'ai trouvé un bijoutier qui pourrait être intéressé. Tu veux vendre tes bijoux? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je vais te les montrer, hein. C'est ma chevalière. C'est la montre Gousset qu'avait mon grand-père. Et tu vois la gourmette que j'avais à ma communion. Tout ça, quoi. Je croyais que tu y tenais beaucoup, hein. Ouais, mais j'y tiens, mais c'est pas pour moi, c'est pour tata Marguerite. Je t'ai parlé d'elle, celle qui a perdu son mari. Et puis en ce moment, elle a des petits problèmes de santé, alors comme elle a pas de sous... Tata Marguerite, elle est malade. Elle est très malade, très très malade. Si tu veux, hein, ça serait pour moi, je les vendrais pas, mais comme c'est ma tata, c'est quelqu'un que j'aime tellement, je vais les vendre pour l'aider, quoi. Bon, écoute, Charlie, ne vends pas tes bijoux, hein. Je vais te prêter de l'argent. Ah non, 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 je suis pas d'accord, hein. Il est hors de question. Si, Charlie, ça va en ce moment. Non, 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 je te dis, je les vends, moi. Bon, ok. Ok, tu les vends. Mais tu les vends à moi. Comment ça, à toi? Bah oui, je te les achète. Non, non, je peux pas accepter d'être... Mais si, Charlie, pourquoi pas? Mais parce que je sais même pas s'ils sont vrais, mes bijoux. Bon, pense. Alors, combien t'en veux? Bah, au départ, j'en voulais dans les 4-5 000, quoi. Bon, d'accord, 4-5 000. Vraiment? Oui, Charlie, vraiment. Daniel, t'es un vrai pote, hein. Non, je vais dire à tata Marguerite que tous les soirs, elle fasse une prière pour toi, Daniel. Elle en fait déjà une pour moi. Elle va en faire une pour toi, maintenant. T'es un chic type, Daniel. Merci, hein. Merci. Ah, oh, vraiment. Oh, je t'embrasse, là. Hey, j'y pense. Je connais une planque, vaut mieux les laisser en sécurité, hein, on sait jamais. Hein. J'ai fait du café. Je crois qu'il va m'en falloir des litres pour me réveiller ce matin. On m'en parle pas, je dors debout, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus, j'ai pas dormi. Eh ben, on est trois, moi j'ai fait des cauchemars toute la nuit. C'est bizarre que ça nous ait fait ça à toutes les trois, c'est la pleine lune ou quoi? Ah non, ça, dans mon cas, c'est pas la pleine lune. Bah c'est quoi? J'ai pas arrêté de penser à Daniel et à Adeline. Toi aussi? Eh oui. Ben, c'est bizarre, parce que moi j'ai fait des cauchemars toute la nuit.
Je la voyais dans ses bras, c'était horrible. Oh, moi aussi, rien que de les imaginer en train de dîner ensemble, ça m'a énervée, hein. Dis donc, je croyais que t'étais pas amoureuse de Daniel, toi. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai décidé d'avoir un garçon, j'ai horreur qu'une fille marche sur mes plates-bandes. Mais t'as surtout horreur que le garçon en question te résiste. Oh, tu parles, hein. Sans cette Adeline, votre Daniel, j'en aurais fait qu'une bouchée. Ça, c'est ce que tu crois. Bon, écoutez, on va pas revenir là-dessus. De toute façon, le problème est réglé. Tant qu'il y aura cette Adeline dans les parages, eh ben, c'est fichu pour nous. Voilà. Vous croyez qu'il s'est passé quelque chose entre eux? Oh là là, je préfère pas y penser. Bah, évidemment, ils ont passé la nuit ensemble. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Bah, c'est plus des gamins. Alors après un tendre dîner aux chandelles, tu crois que ça se finit comment, toi? Arrête, Sabine, ça me fait mal. Je m'effondrerai. Bon, ben moi, je vais réagir. Je vais appliquer le remède numéro 3. Ah oui, c'est quoi le remède numéro 3? Je fais le plein d'hommes pour oublier un seul homme. Je fais toujours comme ça quand j'ai un chagrin d'amour. Oh là 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 là, c'est quoi le plein d'hommes? Ça veut dire quoi, ça? Bah réfléchis. Un seul homme ne peut te donner que ce qu'il a, lui tout seul, alors que 10 hommes te donnent 10 fois ça. Résultat, on oublie le tout seul. Logique. S'il va s'en voir, oui. Non, c'est un remède. Bon, je me préparais, moi. Et tu vas t'habiller comment pour 10 hommes à la fois? Madame, bonjour les filles. Oh, mais je vous dérange peut-être, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner? Non, non, on a fini, madame Bellefeuille. Mais j'en ai pas pour longtemps. Je venais juste vous demander si vous vouliez bien signer une pétition. Une pétition? Oui, pour l'insonorisation des vies d'ordures. Et bien sûr, madame Bellefeuille. N'est-ce pas, les filles? Mais bien sûr, oui. Oh, c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, j'ai tous les bonheurs. Ah oui? Oui, ce matin, j'ai reçu un énorme bouquet, mais alors vraiment magnifique, de Daniel. Ah, oui, enfin, c'est pour Adeline. Mais comme elle a dormi chez moi hier soir, c'est moi qui l'ai reçu. Adeline a dormi chez vous? Oui, puisqu'elle va rester quelques jours à la maison. C'est là que Daniel l'a raccompagnée hier soir. Oh, quel gentleman, ce Daniel, je le savais. Oh, mais vous avez raison. Je commence à penser que c'est vraiment un bon parti pour ma filleule. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que si Daniel tombe amoureux d'Adeline, ça va me rapprocher de Charlie. Et ben voilà, j'ai mon compte. Ah, mais il se discipline, hein, finalement, il se discipline. Bonjour, Gérard. Ah, bonjour, Adeline, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ah, bah, très bien, mais alors? Est-ce que vous êtes Mimi dans cette petite robe, je vous assure? Merci. Mais non, puis je suis pas du genre à faire des compliments à tout bout de champ. Non, arrêtez, véritable. Vous allez me faire rougir. Bon, bah, ce serait bien la première fois que je fais cet effet à une fille. Puis, me regardez pas comme ça, ça me gêne. Je vais m'arrougir. Ah, Gérard, vous aussi, vous êtes tellement adorable. Enfin bon, aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire du sport. Alors, je vais y aller. Tenez une serviette. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Parce qu'elle est mignonne. Si c'était pas une fille, je crois bien que... Salut, Gérard. Ah, bonjour, chérie. Tiens, je suis venu te rembourser. Voilà tes 5000 francs. Ouais, mais tu sais, chérie, ça pouvait attendre, je t'assure. Non, 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 moi j'y tiens, j'ai horreur d'avoir des dettes. Bah oui, mais enfin, comme tu m'avais dit que t'étais un petit peu gênée en ce moment, comment t'as fait? T'inquiète, je me suis débrouillé. Non, bah, je te remercie, alors. Oh, faut que je te dise. Quoi? Devine qui est là? Qui? Adeline! Génial, il faut que je la voie. Oh, mais pourquoi? Mais tu comprends, Daniel est complètement amoureux d'elle. C'est pas vrai. Mais il s'y prend comme un pied. Daniel? Avec son charme? Bah, ça m'étonne, il ferait craquer n'importe quelle fille. Mais attends, son charme, c'est son côté anglo-saxon, col et monté. Il s'y prend comme un pied. Tu vois le tableau? Bah, je vois, j'imagine, quoi, surtout. Non, et puis moi, ça me fait de la peine, parce que je commence vraiment à aimer très fort Daniel. Mais moi aussi. Et j'ai décidé de lui rendre service. Mais comment tu vas faire? Je vais la lui draguer, son Adeline. Toi, tu vas la... Ouais, ouais, moi, je vais la lui draguer, mais en un tour de main, tu vas voir. Ah bon? Bah, écoute. Bon, elle est où? Bah, dans la salle de sport. Bah, je vais y aller. Hein. Quelle histoire. Salut, Adeline. Bonjour, Charlie. Ça va? Super. Je suis tout seul, je peux faire un peu de sport avec vous? Bah, écoutez, il y a le vélo à côté, si vous voulez. Ah, génial. Allez.
Adeline. Mm-hmm. Vous savez que vous avez beaucoup de charme. Charlie, je croyais que tout était clair entre nous. Ah oui, non, mais je dis pas ça pour moi. C'est pour Daniel. Pour Daniel? Eh ouais, Daniel, c'est un type formidable. Ah oui, il est vraiment très sympa. Ah mais attendez, il est plus que ça. C'est un mec génial. Et en plus, il est amoureux de vous. Quoi? Et vous me dites ça comme ça? Ben attendez, je veux pas perdre de temps. Vous savez, Daniel, c'est un mec qui a vraiment des problèmes avec les filles. C'est pas à s'y prendre. Moi, je suis là pour l'aider, vous comprenez? Oui, je comprends. Oh, moi, je me demande pourquoi on fait tout ça. Claire. Claire. Je n'entends même pas. Non, mais à quoi ça sert? Luna, oh. Tu sais ce que je me demande? Non. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Hein? Mais oui, le ménage, on se coiffe, on se maquille, on se pomponne. Je me demande bien pourquoi? Pour qui? T'as raison, pour qui, ouais. Dis donc, si pour se remonter le moral, on s'en fifferait une grosse glace au chocolat. Ça, c'est une bonne idée, tu vois, parce que finalement, avec un moral pareil, la seule chose à faire, c'est de se laisser aller grossir. Je vais la préparer, bouge pas. Salut les filles! Regardez ce que je vous amène! Allez, entrez les garçons! Coucou, c'est nous! On est là! Salut les filles! Ouais, cool. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, mes copains de l'équipe de football, les Lions d'Aubervilliers! Je les ai récupérés en plein entraînement, ils sont dans une forme! Ouais, ça tu peux le dire! Bon, les garçons, je vous présente les copines! Ouais, salut! Claire! Enchantée. Et Luna. Salut. Salut. Ouais, canon les copines. Hey, moi c'est Bernard. Nana pour les intimes. Allez, on va vous chercher un coup à boire, ok? Ouais, ok, super. Non, ouais. Vous venez les filles? Bien. Mais enfin, Sabine, qu'est-ce qui te prend là? Bah quoi, ils sont pas mignons? C'est pas le problème, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Mais je les ai invités pour vous remonter le moral. Moi, quand j'ai un chagrin d'amour, je vais toujours les voir. Pas Sabine, Luna et moi, on n'est pas toi. Oh, ça suffit, j'ai fait ça pour vous rendre service. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse maintenant? Vous voulez que je fasse un dessin? Regardez-les, ils sont mignons comme tout. Ils sont drôlement baraqués. Viens voir le brun, là, viens voir. Où ça? Là, regarde. Là? Ouais. Oh, oui, c'est vrai. Hein? Eh, ouais. Eh, j'ai pas une bonne idée. Daniel, t'es là, c'est super. Mais qu'est-ce que tu vois? Écoute, je suis super content parce que j'ai été génial, super génial. Ah oui? Tu peux me remercier, hein. Te remercier? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai rendu service. À moi? Mais oui, à quoi ça sert les amis s'ils comprennent pas les choses à demi-mot? Mais quelle chose? Les problèmes de cœur. Enfin, en ce qui te concerne, Daniel, tout est réglé. J'ai tout dit à Adeline. Qu'est-ce que t'as dit, Adeline? Mais que t'étais amoureux d'elle. Comment? Ah ça, tu peux me croire, j'ai été génial. Je lui ai fait une déclaration. Non, mais Charlie, c'est pas vrai. Mais si, mais attends, j'ai même fait mieux après avoir vu Adeline à la salle de sport. Je suis monté direct voir Madame Bellefeuille. Hein. Madame Bellefeuille, pourquoi? Bah, attends, je vais ouvrir et je t'explique. Oh, Daniel! Daniel! Oh, Daniel, t'es merveilleux, merveilleux, Daniel, merveilleux! Oui, Madame Bellefeuille, oui, c'est merveilleux. Oh, je suis si contente. Je voulais être absolument la première à vous annoncer la nouvelle. Eh bien, Daniel, c'est d'accord! C'est d'accord. Oui! C'est d'accord? Oh oui, je sais, vous êtes émue, moi aussi je suis émue. Tout est allé tellement vite. Mais Daniel, c'est si merveilleux, oui, tout est si merveilleux. Merveilleux, merveilleux. C'est merveilleux, Charlie. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie? Mais t'as bien entendu, Madame Bellefeuille est d'accord. D'accord, oui. D'accord, elle est d'accord. Mais d'accord, pourquoi? Ah, c'est vrai, j'avais pas fini de te raconter. C'est-à-dire que je suis monté voir Madame Bellefeuille pour lui demander la main d'Adeline. Quoi? Oui, enfin pour toi. Charlie. Et qu'est-ce que tu veux, Daniel? Moi, je suis comme ça. Moi, quand j'ai un ami, je fais pas les choses à moitié. Daniel, Charlie est si merveilleux. Oui. Et vous aussi, vous êtes tellement merci. Merveilleux. Et tout est merveilleux. Moi, je vais vous embrasser, Daniel. Oui. Oh, Daniel, comme c'est formidable.
plaisir, ma chère. Oh. Pisque garage, tu m'attraperas pas. Si je t'attrape, j'ai droit à un bisou. Ah non, c'est pas le cash qu'on a, 10 heures. On peut changer. Non. Pousse, ça sonne. Allez, on se calme, on arrête le ballon, là. Bonjour Claire, bonjour Luna. Bonjour Aline, bonjour Gérard. Bonjour, coucou. Ça vous dérange peut-être? Bah, c'est-à-dire que là, on... Non, écoutez les filles, excusez-nous, mais c'est vraiment super important, faut absolument qu'on vous parle, n'est-ce pas? Oui, mais Aline? Gérard, on dérange. Mais nous, ce sont des amis, je vous assure, allez rentrer. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, c'est-à-dire que j'avais un problème dont je voulais vous parler. Mais on reviendra plus tard, qu'on laisserait seul, hein, Gérard. Mais non, absolument pas, écoutez, Adeline. Comment vous allez vous débrouiller? Bah, quand Daniel est arrivé, qu'est-ce que vous avez vu? Il s'agit de Daniel? Ben oui. Ah bon? Mais alors s'il s'agit de Daniel, on va dans la cuisine. Vous essayez de l'arriver, bon les garçons. Et toi tu viens. Vous inquiétez pas, on revient. Mais le ballon, non, attends, non, le ballon. Bon, alors c'est quoi votre problème? Allez-y, Adeline, expliquez-le. Eh bien voilà. Tout à l'heure, j'ai appris que Daniel était amoureux de moi. Ah oui, félicitations. Figurez-vous, on était au courant. On sait même que ce matin, vous avez reçu un énorme bouquet de fleurs. Mais attendez, les filles, laissez-la finir tout de même. Bon, excuse-moi. Allez-y, Aline. Alors, quand je suis remontée de la salle de sport, chez ma marraine, oui, Madame Bellefeuille, eh bien, elle m'a appris que Daniel était venu lui demander ma main. Oh, mon Dieu. Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle. Bah oui, mais il y a un problème. C'est que j'ai un fiancé, déjà, et je l'aime. Vous voulez dire que vous êtes amoureuse d'un autre garçon? Ben oui. Ah, oh, vous l'aimez? Mais c'est pas grave, ça m'a dit. Félicitations, oui. Mais enfin, les filles, vous n'y êtes pas du tout. Mais comment elle va faire, la petite, pardon, c'est ça, Daniel? Lui briser le cœur, c'est ça? Après une demande en mariage? Elle m'aurait dit penser, mais si tu tournes boulet. De toute manière, il faut qu'elle lui annonce très très vite ça, c'est tout. Oui, ça, c'est vrai. Plus ça attendra, plus il souffrira. Oui, c'est ce que je me disais, mais... Ça va pas être facile. Et, écoutez, vous avez qu'à lui dire comme ça. Daniel, je suis désolée, mais je suis amoureuse d'un autre homme. Et surtout qu'il n'y a aucun espoir que vos sentiments changent. Hein. Inutile qu'il se fasse des illusions. C'est dur. Oh, bah, c'est dur, mais ça, c'est la vie, c'est la vie. Écoutez, le mieux, c'est que vous allez lui dire maintenant. Hein? Voilà, absolument. Bon, plus vite vous irez, le mieux, ça sera. Je vais y aller. Voilà. Et puis, alors, ne vous inquiétez pas, au moins de problème, on sera pas loin, d'accord? On est là, on est là. Allez. Vous inquiétez pas, Adeline. Et moi, je serai là, de toute façon, tout près de vous, par la pensée. Ben oui. Puis dès que vous franchirez le seuil de sa porte, ben, je ferai une petite prière pour vous, puis vous... C'est bien, ça. Bon, alors, on y va, oui ou non? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, t'entends quelque chose, toi? Non, rien du tout. Bah, attendez, les filles. Alors quoi, t'entends quelque chose? Bah non, rien. Vous croyez qu'elle lui a dit? Chut. Mais quoi, on peut bien se renseigner, non? Mais comment voulez-vous qu'on entende quelque chose si vous arrêtez pas de parler? Voilà, Daniel, je vous ai tout dit. Je suis désolée. Non, mais il n'y a aucun problème, Adeline. On peut rêver, hein? Je sais que je vous fais du mal et je m'en veux. Non, vous n'avez pas à vous en vouloir, Adeline. C'est pas votre faute. Et même si ce n'est pas avec moi, je suis content que vous soyez heureuse. Vous êtes si adorable et si compréhensif. Ça me fait de la peine de vous faire du mal. Non, mais vous savez, c'est... pas mon premier chagrin d'amour, ça ne sera certainement pas le dernier. Non, ne vous en faites pas, ça va aller. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans la cuisine quand Adeline est arrivée, je voulais pas déranger. Donc tu t'es mis à quatre pattes derrière le bar. Daniel, c'était tellement beau ce que vous avez dit. Je suis ému. Bon, ben, je vais vous laisser. Oui, ben, je vous accompagne à la porte. Et au revoir. Attendez. Quoi? J'attends à quelque chose. C'est Daniel. Oui. Il accompagne Aline. Oh. Il va ouvrir la porte. Par là.
Eh bien, Daniel, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore d'avoir été aussi compréhensif. Et puis, j'espère que vous garderez pas un trop mauvais souvenir de moi. Ah, je sais déjà que non. Vous êtes une fille très spéciale et ça, je n'oublierai jamais. Bon, ben, au revoir, Daniel. Au revoir, Adeline. C'est triste. C'est trop triste. Alors, Eline, comment ça s'est passé? Bien. Il est très malheureux, Daniel? Je ne sais pas, en tous les cas, il était très digne. Oh, digne, digne dans son état, alors qu'il a le cœur en miettes. Quand je pense à moi qui m'effondre à chaque fois que j'ai un ongle qui casse. Le principal, c'est que ça soit fait. C'est le principal. Oui, mais voyez, finalement, je me demande si... C'est quoi? Ben, l'espace d'un instant, je me suis demandé si j'avais pas eu tort. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ben, Daniel est... Quand j'étais en face de lui, il est si tendre, si prévenant, si charmant. Mais ça, tu... Vous avez raison, Adeline. Ben, c'est vrai. À votre place, j'y réfléchirais à deux fois. Ben oui, Daniel est un garçon si charmant, si séduisant. Oui, bon, ça va, Gérard. Excuse-moi, elle a très bien fait, Adeline. Et votre fiancé? Qu'est-ce que vous en faites de votre fiancé? Ben oui, moi je suis sûre qu'il est très séduisant, très tendre et tout, je me trompe pas. Non, il est merveilleux. Ah, voilà. Ben voilà. Bon, ben écoutez les filles, je vais partir. Oui. Je vous remercie. Mmh. Au revoir les filles. Ben, au revoir. Bye bye, Adeline. Je suis avec, parce qu'il y a du travail en bas dans la salle. Oui, d'accord. Salut, chérie. Au revoir. Bon, ben écoute, on s'occupe de Daniel. Il ne reste plus qu'à lui remonter le moral. Viens.